Salut les gars, c'est MK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Soldats du Samedi, une série que je n'avais pas faite depuis 2 semaines je crois car j'étais absent. Bref, pour cet épisode j'ai choisi un commentaire de Gabi Ernoult, donc c'est la deuxième fois qu'il apparaît, en même temps il propose des loadouts plutôt sympas, donc c'est celui-là que je vais prendre pour cette vidéo. Alors je vais lire son commentaire. Mon équipement pour ta vidéo Soldats du Samedi. Équipement Blacklist Splinter Cell. Arme principale MP7, mire, viseur laser, silencieux et camouflage noir. Arme secondaire FN57 avec des mires améliorées qui apparemment je n'ai pas encore débloqué. Donc c'est compliqué. Viseur laser, silencieux. Enfin voilà, vous voyez que j'ai vraiment pas grand chose sur ce 5-7. Donc j'ai pas pu mettre ce qu'il m'a dit. En même temps je pense pas beaucoup m'en servir dans cette vidéo. Camouflage noir, ça je l'ai par contre. Comme gadget, lunettes de vision nocturne et infiltration. Un couteau basique et une grenade lacrymogène. Bon amusement, j'ai trouvé cet équipement très fun à jouer, même avec la vision nocturne active toute la partie. Alors je pense que c'était désigné pour jouer sur les maps de nuit à la base, mais j'en ai un peu ras-le-pompon des maps de nuit pour l'instant, donc j'ai préféré ne pas aller dessus, et je vais essayer du coup de... Enfin, la vision nocturne ne sera pas active toute la partie, quoi. Vraiment là, les maps nocturnes, j'en ai vraiment ma claque. Il n'y a que ça à chaque fois, à chaque partie, c'est très souvent des maps nocturnes. Ça devient un peu relou, quoi, franchement. Il n'y a plus que ça sur BF Hardline, donc ça m'ennuie un petit peu. Bref, l'autre chose qui m'ennuie un petit peu, c'est justement ça dès le samedi. À la base, je pensais que ça serait quelque chose de... Donc, je ne veux pas arrêter, hein, mais je pensais que ce serait quelque chose de très convivial et tout, vous proposerez plein d'équipements. Et le problème, c'est qu'il n'y a que des équipements BF Hardline, je veux dire, vous ne proposez que du BF Hardline, alors qu'il pourrait y avoir du BFK, du Destiny, du Black Ops 3, du The Last of Us, et j'ai que du BF Hardline tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un petit peu ennuyant. J'aimerais bien que vous postiez des commentaires autres pour les autres jeux, quoi. Parce que là... Oh, il est mort lui. Ça c'est cool. Car là, effectivement, on a que du BF Hardline. Donc, pour le prochain épisode, je prendrai. Essayer de vous lâcher et donner un commentaire original pour un autre jeu que Battlefield. Et je prendrai forcément notre jeu que Battlefield pour le prochain épisode, ça c'est certain. Parce qu'il faut un petit peu d'originalité. Hop, et c'est vrai que là, j'ai que du BF. Donc, c'est pas vraiment ce que je recherchais avec Soldat et Samedi. C'était vraiment Soldat, donc ça s'applique à tous les jeux FPS. Bref, voilà. Alors donc là on est en conquête petite, j'ai bien pris la MP7 silencieux, je sais pas si ça va être très utile. Parce que vu qu'elle est silencieuse c'est quand même fait pour... Ah j'ai des grenades lacrymo, ça c'est problématique. Vu qu'elle est silencieuse j'ai une pénalité à longue distance. Et sur cette map là ça va être compliqué, mais bon je vais essayer de faire de mon mieux. Il y a un mec là. Ah quand même, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Oh non, il est beaucoup trop loin. Ouh, il est parti lui. Et en moins. Ah, j'ai pas le deuxième. Ouf, ça fait mal. Bon, d'ailleurs, je crois que j'ai pris la tenue infiltration pour cet épisode parce que c'est vraiment Splinter Cell. Du coup, voilà, c'est un petit peu l'équipement secret. Donc, ouais, ah voilà, j'ai même pris le truc infiltration. C'était pas proposé dans le loadout, mais j'ai décidé de le prendre quand même. C'était plutôt sympa. Bon, je vais la laisser active un petit peu pour voir ce que ça fait, mais. Ça m'étonnerait que ce soit super utile. Il y a un mec là. Oh, mais il y a un mec là. Hop. Par contre, on voit rien du tout, quoi. On ne voit rien du tout. Tac. Il faut que je recharge mon arme. Ah, c'est bon, elle a rechargé. Prenez-vous ça. Un petit lacrymo là, ça fait plaisir. C'est un mec ça. What. Il y a un 4-4. Ouh. Oh la vache. Allez, salut. Ah, oh, dommage. Bon donc voilà, je compte sur vous pour me donner un autre commentaire que du BF. Ça ferait vraiment plaisir. Limite, j'étais sur le point de demander à un de mes amis de me créer un commentaire pour The Last ou quoi, parce que là, je voulais éviter de prendre du BF encore pour cette vidéo, mais bon, j'avais pas trop le temps. Là, en fait, je tourne cette vidéo un peu en vitesse, car je dois quitter le domicile dans moins de 20 minutes. Non, 40 minutes, voilà. Je suis un petit peu pressé, donc c'est pour ça que je tourne ça, et ensuite, il faut que je parte. Donc, désolé si je suis un petit peu pressé ou j'ai un peu de mal à parler. Là, je suis justement pressé. Bref, hop, on va leur mettre un petit gaz. On va essayer de les attaquer par le haut. Putain, il y a un mec là. Il est perdu. Ah, ah. Non, non, s'il vous plaît, please. Ah, cool, j'ai eu les deux. Ouais, il y a son pote en haut là. Est-ce qu'il est lui? Ah, salut. Il a fait bien mis la main. Ah, il y en a. Son pote au-dessus là, il est pas compris d'où il est mort. Je vais essayer de le quitter, ça. What the fuck? Oh là 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 là, c'est trop facile. Ça c'était moins facile. Non, la mine laser, dommage. Le mec au snipe là, il m'a tué quoi, le couteau. Il comprenait rien du tout, il était perdu sur la map. Des fois les gens sur Hardline ils sont tellement perdus.
C'est marrant à voir, hein. Franchement, c'est fun. What the fuck, what? Ok, d'accord, donc j'ai spawn un endroit, je me fais taper, mais il n'y a pas de problème. On va enlever ça. C'est vrai que pour l'instant, la vision active ne me... La vision active. Les lunettes thermiques, là, ne me servent pas tellement. Donc, je trouve que c'est un ennemi. C'est pas super utile pour l'instant, mais en même temps, c'était pas vraiment le but du loadout de se trouver dans une map... Ouf, je crois qu'il allait pas crever, lui. Tac. Je viens du soin, moi, aussi, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme point? On a A, C et D. Il nous manque E. Oh, il y a son pote, là. Je vais lancer une petite grenade, là, comme... Ouf. Il y a du monde, là. Ah, mais oui, il y a du monde. Mais tu vas crever, toi. Est-ce des fois, les... Comment ça s'appelle? Le gilet pare-balles, là, des fois, c'est puissant, ce truc-là. Ça vous empêche de crever? C'est chaud. Bon. Holy fuck, il y a du monde. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît, please. Oh la vache, comment je l'ai pas eu? 3% de santé, seriously, dude, mec. T'as même une grenade lacrymo, ça l'a pas empêché de venir, quoi. Je l'ai tué à la lacrymo. Oh là 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 là, ça c'est... Ça craint, quoi. Je l'ai tué à la lacrymo. Oh. Des barres. Oula, alors lui, je crois qu'on est tombé sur un bon pilote, là. On est tombé sur un bon, là. Ouais, toi, salut. Elles sont sympas, les murs de cette arme, je trouve. Enfin, elles passent bien, quoi. Même si elles sont assez restrictives, je veux dire, on voit pas beaucoup autour. Franchement, c'est plutôt cool comme mire. J'aime bien. Ah, lui se fait plaisir, là. Il se fait des kills. Ah, c'est le vieux mec. Allez, salut. Ils sont combien là? Voilà, c'est lacrymo encore. J'adore les lacrymo en fait, c'est pas mal du tout. Hein. Ça va bien avec ce loadout. Où est-ce qu'il est le mec? Ah, le molotov. Faut que je me planque. Il y a un mec en là, je le vois. Cool, j'ai réussi à l'avoir. Je pensais pas en plus, il était un petit peu loin pour la MP7. Cadeau. Hop, oh shit. Là, je suis un petit peu mal en fait, je sais pas vraiment où aller. Je vais lancer ça pour qu'ils essayent de décamper de leur point là. Ah mais j'ai une belle vue là. C'est qui lui? Rentre chez toi. Ah d'accord, j'ai cru qu'il y avait un mur invisible en fait. Laissez-moi please, laissez-moi s'il vous plaît, merci. Là j'ai un petit peu peur en fait. On va enlever le viseur laser là. Putain, il y a du monde. Oh il est perdu. Pouh. Il suffit de se planquer un minimum et ils sont aveugles. C'est vrai qu'Ardyne c'est bien pour ça. On trouve des fois des sacrés aveugles. Bref, elle est pas mal du tout la MP7, ça faisait longtemps que je l'ai pas utilisé. Combien j'ai de kills avec? Y a un moyen facile de voir les kills, c'est vous allez dans vos camouflages. Vous allez tout en bas. Ça prend un peu de temps, je sais. 169 kills. Ok. Bon, ouais, en fait, je l'avais utilisé pendant longtemps, c'est pour ça que j'ai pu m'en servir dans ce loadout. Parce qu'en fait, il y a des fois où on me proposait des armes avec lesquelles je n'ai absolument pas joué. Je n'ai pas touché à l'arme. Du coup, je peux pas mettre les accessoires dessus. C'est le cas notamment du 5-7 là. J'ai pas du tout joué avec, mais genre, c'est un des pistolets que j'ai le moins utilisé. Du coup, c'est compliqué pour moi de mettre les accessoires que vous me proposez. Genre, Gabi, là, il m'a demandé de mettre un je sais quoi, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Un viseur laser, un silencieux, etc. que je n'ai pas débloqué. Donc, c'est compliqué. Oh la vache, du monde. Ouf. Ok, je préfère me faire faucher que me faire tuer par un mec un peu perdu. C'est toujours plus marrant de se faire faucher. Par l'intercepteur en plus. C'est censé être la voiture de sport la plus puissante de BFR de la haine. Le truc, elle bloque sur une pente de 15%. Là. C'est marrant. Alors, quoi? Laissez-moi, please. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, cool. Ça fait plaisir. J'ai moyen de faire un kill avec ça. Non, je les aurais pas avec ça. J'ai hésité hein, à le lancer, mais non, ça aurait servi à rien. Je préfère autant m'en servir sur des mecs en bas, là. Oh, t'as un petit marqueur, là. J'aimerais bien avoir le kill. Ok, bravo MK, tu tires bien. Oh là 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 là. C'est chez lui. Il a mis une sale mine laser en plus, attention à toi. Voilà. On va activer ça pour voir ce que ça fait. Ouais, on va laisser partir de toute façon. Oh, j'ai vu un mec. Alors lui, il va prendre tellement cher. Dégueulasse. Plein dans son oeil là.
C'était crânant. Ouais. Elle est pas dans le flotte dans le vide là. Ah mais si elle flotte. Allez. C'est pas un mec là. Attendez, attendez, y'a un mec en bas là, il commence à m'énerver. Ouf. Ma vie. Ma vie. Ah mais je suis con, je me suis bloqué du coup, faut que je... Ah, je me suis bloqué, mais quel débile. On va enlever ça. Je me suis bloqué en fait en mettant la lacrymo là. Laissez-moi sortir, je veux sortir. Ah mince, c'est pas passé. Du coup là, si je me prends des balles, ça fait double dégâts. Oh la vache. J'aimerais bien que ça parte le... Voilà, merci. Ouais, c'était mort. Ah ouais, mais en fait c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais m'empêcher d'entrer, mais en fait je me suis bloqué moi-même. Trop fort. Ah, merci. Merci beaucoup, j'adore. Ça j'adore toujours. Attends, j'ai peut-être... Voilà, parce que j'ai pas non plus un PC gamer de fou. Du coup, quand j'enregistre, j'aime bien avoir le moins d'applications lancées sur le PC. Et là, en l'occurrence, j'avais le navigateur qui était lancé, donc ça prend pas mal de mémoire, de RAM, là, de mémoire vive. J'ai préféré l'enlever. Y'a pas un mec là? Attendez, lui, je crois qu'il est perdu, lui. Ah, non, c'est bon, il est mort. Bon, là, je viens juste de fermer le navigateur, comme ça, ça peut-être que ça va moins bugger, parce que... Quand le PC commence à bugger, c'est-à-dire que l'audio est désynchronisé. Quand vous entendez un audio en fait décalé dans une vidéo, ça veut dire que le PC qui enregistrait n'est pas assez puissant. Il n'est pas assez puissant pour synchroniser les deux à la fois. Du coup, ça, ça décale l'audio. Et vu que j'aime bien éviter ça, c'est quand même pas super grave d'écouter une vidéo où ce que je dis est décalé. Attendez, il y a ce mec-là, là. Voilà. Bah, je préfère fermer bien toutes les applications au moment d'enregistrer, au moins ça fait une vidéo plutôt fluide. Attends, il y a un mec, là. Ouf. J'ai cru qu'on n'allait pas l'avoir. J'ai vu qu'il y a un mec de l'autre côté là. J'aimerais bien aller le... si je pouvais l'avoir avec la grenade lacrymo. Non, ça l'a même pas touché. Il y a sûrement des mecs qui vont descendre de ce truc là. Je préfère rester à côté au cas où. J'arrête pas de le marquer. Bon, allez, vas-y, descendez les gars là. Vous savez que c'est mort pour vous là. Mais... Ah, ils vont descendre là, forcément. Allez les gars là, descendez. Bon, il va cramer le truc. Je préfère juste rester à côté jusqu'à ce qu'il crame. Merci. Et je vais crever. Ouf. J'aime pas tellement cette situation. Plutôt exiguë. Ouais, je vais me barrer d'ici. Ça vaut mieux. Attends, je regarde simplement l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? 14h28. Ok, faut que ça parte à 15h. Et normalement, la vidéo va pas durer plus de 20-22 minutes, un truc comme ça. Oh, y'a un mec lointain. Punaise, il est lointain, lui. Si vous voulez savoir où je vais d'ailleurs, c'est que je vais sur un pont pour faire du skateboard. J'aime bien ça, c'est cool. En plus aujourd'hui il fait vachement beau là, en Bretagne. Hein. On pourrait croire qu'il fait toujours moche, mais non, aujourd'hui il fait vachement beau. Du coup c'est l'occasion de sortir un peu et il y a un pont ouais, où vous pouvez, qui est vraiment plat, donc il y a moyen de faire du skate tranquillou. Et c'est ce que je vais faire, petite session avec un pote. Viens là toi, il est où lui? Tellement humiliant de se faire tuer avec cette double là. Je vais sûrement crever par contre, c'est ça le problème. J'ai plus de balles dans ma MP7, j'ose pas recharger. Bon allez, je recharge. Allez, vite. Yes. Ah ouais. C'était tout rien quoi. Fallait que je tente ça, parce que là j'avais plus que le FN57. Il fallait que je recharge ma MP7, mais... Je me disais bien qu'ils allaient me voir en train de la recharger. C'est pas passé du tout. Allez hop, je spawn sur lui. Ouh, ça va mal se passer tout ça. Ouh, je le sens. Les gars, vous voulez pas... Mais attends, mais regarde pas la minimap, les gens, c'est pas possible. Ah, merci. Ça m'a fait peur, tout ça. Je sais qu'il y a un mec à droite, là. Où est-ce qu'il a ce con? Ok, il est mort. Il y a un mec en bas. C'est qui, lui? Bon, rentre chez toi, toi. Rentre chez toi. Putain, mec, je vais spammer sa vie, quoi. J'ai envoyé toute la purée. En temps, j'aimerais bien l'avoir, mais... Petit sniper, là. Je suis un petit peu mal en fait là. What? C'est parti! C'est parti! C'est quoi cette merde? Oh là, ça c'est la meilleure. J'étais bloqué derrière un mur et le mur est parti. Il est parti! N'importe quoi. Putain, la connerie. Et j'ai flippé ma vie quoi. Oh non, non, il va cramer, il va cramer. Ouh là là. J'avais juste envie de spawn. Voilà, lui il est bien placé, il n'y a pas de problème. Alors le camion là il va cramer d'une seconde à l'autre. Oh la vache, il a un fusil d'assaut, je vais me faire défoncer. Allez, salut.
Ah, non, il avait un fusil d'assaut qui est beaucoup plus adapté à longue distance que même cette silencieuse là. Je préférais abandonner le duel. Des fois, faut savoir se résigner, hein. Hop, cadeau. J'aimerais bien attaquer les mecs en bas là. Oh, ça vient sur le point. Ça vient sur le point. Il y a le mec au fusil d'assaut là. Vous le voyez arriver sur la carte? Vous voyez arriver? Oh merde, il m'a mis un hitmarker là. On va se planquer là. Vas-y, passe. Allez. Bien. Bon, je pense qu'il va pas venir. Perso, je préfère me barrer d'ici. Il s'est fait défoncer. Le mec s'est fait défoncer. On va lancer une petite lacrymo. Holy crap. Holy crap. Je regarde ma vie. Faut qu'on avance, mais là il nous bloque en fait. C'est assez, assez chiant. Bon, allez, je rush. Je rush. Ah, quand même, on les a eu enfin. Ils étaient relous à camper là, eux. Oh, il y a son pote. Ah là là, mais la mauvaise action. La mauvaise action. C'est compliqué tout ça. Ce point là, il est terrible. Tout le monde peut vous attaquer de n'importe quel côté. C'est l'horreur. Attendez, j'ai envie de monter dans ce... Oh, attendez, j'ai une idée de port. Là, les gars, je pense que j'ai une de mes meilleures idées. Vous allez voir. Non, si mon allié pouvait descendre, par contre, ça ferait plaisir. Il y a un moment où il faut savoir employer le grand moyen. Donc, c'est ce que je vais faire. On va rouler sur des gens. On va faire un petit bowling, là. C'est parti. Ok, bon, tout le monde est mort. Super idée. Ça commence à être mauvais. Non, c'est bon, ça passe. Si l'autre chauffeur du dimanche pouvait éviter... Oh, je suis mort. Ah, la frag de malade qu'il a lancée. Oh, le bâtard. Et il a mis une belle frag, là. C'est ça, quand même, de jouer avec les frags. Ça fait toujours plaisir, alors que les lacrymos, bon, ça peut servir dans certaines situations, mais la plupart du temps, je préférais quand même une petite frag sympa. Alors, j'ai peur qu'il y ait des mecs partout, là, en fait, c'est ça le problème. J'ai vu un mec, là. Il est pas mort? Quoi? Oh la vache! C'est quoi ça? Oh la purée quoi. Je suis dépité. Voilà, là j'ai même plus envie de jouer. C'était... Non mais quand je perds un duel comme ça, mais j'ai juste envie c'est de... Je vais faire une seule chose, c'est d'arrêter la play et de... Je sais pas, de... D'aller lire un petit peu quand même. Parce que là c'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible. Oh la honte en plus. Putain, j'ai même pas envie de poster la vidéo après ce qui s'est passé. Non mais c'est vrai, c'est affreux. Il y a le vieux mec là-bas, là, il commence à m'énerver lui. Il se fait toute notre équipe à chaque fois là. Oh les balles c'est qu'on a. Pop. Ouf alors lui. J'avais un FAMAS dans les mains. Oh non ma grenade lacrymo. Putain, je sais même pas m'en servir, je me les mets dessus quoi. Super. Trop fort le mec. Oh j'ai pris des balles. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas sniper en face parce que c'est assez relou. Ils ont une belle ligne de mire sur vous là. J'ai vu un mec là, j'ai vu un mec ouais. Allez, salut. Et bien sûr, il y a son pote à l'UMP. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je spawn? Ce mec-là, il était plutôt bien. Ok. Donc, il y a un mec là. C'est pas vrai, ça? Le petit FAMAS. Vous avez vu mon FAMAS, là? En fait, le F-57, vous pouvez tellement le spammer ce pistolet. C'est chaud. C'est un putain de FAMAS le truc. Oh, shit, y'a l'autre là. Ah, il a réanimé son pote. Le barbare. Tu peux pas me tirer dessus. Oh là là, il m'a fait peur lui. J'ai envie de les contourner, vous savez quoi, on va faire ça. On va faire ça. Plus je commence à gagner ma vie, c'est cool. Ils sont où là? What? Ok, bon, ils sont tous morts. Le FAMAS. Attendez, regardez. Est-ce que vous voulez que je vous montre un FAMAS? Je vais vous montrer un petit FAMAS en secondaire. Oh non, non, en fait, je vous montrerai après. C'est bon, il est mort. J'ai fait juste qu'il n'y a plus personne. Non, ok. Donc, regardez le FAMAS en secondaire. Et voilà. Ça, c'est un petit FAMAS en secondaire. C'est un petit glitch pour avoir, pour équiper un FAMAS en arme secondaire. Maintenant, le FAMAS, c'est l'arme qui tire le plus vite du jeu. Et avec le F-57, on se rapproche tellement de cette cadence de tir. Vous pouvez spammer comme un malade. Ah ouais, ça passe, hein. C'est une bonne arme, je trouve. C'est ça que j'aime bien avec le soldat du samedi, c'est que justement je peux découvrir des armes un petit peu que vous me proposez, que vous aimez bien jouer, alors que moi je m'en sers jamais, donc ça permet de découvrir de nouvelles armes, c'est cool. C'est un peu le but de cette série aussi à la base. Il y a un mec là qui va pas tarder à passer. Oh, il y a l'auto dessus. Oh, je suis mal, là je suis mal.
Oh non, mais oh, fallait que je choisisse entre les deux côtés et ils m'ont pris en même temps, quoi. Il y en a pas un qui aurait pu venir plus tôt que l'autre d'un côté. Comme ça, je m'occupe de lui, ensuite je vais de l'autre côté. Non, les deux sont arrivés en même temps. Un vrai plaisir. Alors, ce mec-là, j'aime pas tellement son spawn. Ouais, non, non. Ah, je m'en doutais là. J'aime pas tellement ce spawn. J'aime pas ça du tout, ouais. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai. Je sais bien quand le spawn va être puant. Et pourtant, je spawn quand même. C'est terrible. Il s'est fait défoncer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chiant, quoi. Bon, par contre, on perd alpha, donc je vais spawner dessus. En tout cas, on est en train de gagner, ça c'est clean. Par contre, perdre alpha, c'est moins clean. Où sont-ils, les petits salopios? Petits salopios. Oh, là-bas, il y a du monde, hein. On va envoyer cette petite lacrymo. Holy fuck. Oh non, mais laisse-moi des kills, toi, au moins. Ah bah oui. Oh, je l'ai eu. Ouh, c'est pas passé loin. Je suis planqué. J'ai qu'une envie, c'est de regagner ma vie actuellement. C'est pas mal. D'accord, c'est une bouche incendie, une borne. Comment on appelle ça, une bouche incendie, une borne incendie? Je sais pas, il y a un mot pour ça. Je sais pas si c'est un mot en B, mais je sais plus si c'est bouche ou borne incendie. Je crois que c'est une bouche incendie. C'est comme pomme, poire de douche là, ça veut rien dire. Hein. Poire de douche, pomme de douche, mur de douche. Pourquoi on appelle ça une poire de douche, quoi? Je comprends rien. Oh, je vais voler les kills, c'était dégueulasse. Oh, comment je l'ai aligné? Sans vouloir faire le show, j'ai réussi à bouger le joystick pile assez pour que l'arme se mette sur lui. La plupart du temps, je préfère dézoomer quand il y a deux ennemis, parce que l'aim assist va vous aider en fait. La visée assistée va vous aider à mettre le viseur dessus. Et donc là, j'ai pris un risque en fait, en décidant de ne pas dézoomer, de ne pas déviser quoi. Et puis c'est passé, c'est cool. Bon, il m'a quand même tué, mais au moins j'ai eu le kill. On s'est entretué. Bref. Je vais aller voir près de. Apparemment, ils sont en train de prendre Delta, ça me plaît pas trop tout ça là. On va aller acheter un petit coup. Et. Il y a Polo le chaud. Polo. Mais ça va ou quoi? Mais reviens là! Polo le chaud. Il est où Polo le chaud? Polo le chaud! Oh bah lui, il était vraiment chaud pour le coup. Oh Polo. Oh la vache. Au début, je me moquais à moitié de l'ennemi tellement il était perdu. Et en fait, non, il était pas perdu. Il m'a défoncé. Ah, il était vraiment chaud. Hein. Polo le chaud, il était chaud. Voilà. Mais ça va ou quoi? Mais what? Oh la vache! Ça c'était puant! Oh! Ouais, non mais des fois c'est terrible quoi. C'était terrible. Terrible. Bon, on va rater les conneries. On va rater les conneries. Oh! Ah! Alors lui, c'était, lui il a pris tellement cher là. C'était sale. Ah, la vision nocturne là, elle est pas mal. Dans cette situation précise, elle peut être pas mal. Là, on voit pas mal les ennemis. Je pense que les snipes me voient bien aussi. On va peut-être descendre. Les snipes me voient sûrement très bien. Mais mec! Ça, c'est. Ce 4-4 est vraiment chiant des fois. Parce qu'ils peuvent à tout moment vous attaquer depuis le côté en étant invulnérable. Donc, c'est plutôt énervant. Bon, ça va faire au moins. Attendez, il est quelle heure là? 14h40! Holy shit, j'espère que c'est bientôt fini! Il faut que je parte pour après. Ah, chante la musique de fin. Ah, bah dis donc, le jeu il m'a entendu là. Le jeu m'a entendu. Attendez. Lui il a pu se faire tuer que d'une direction, c'est ici. Allez, salut mon pote. Vous avez vu, j'ai réussi à mettre un headshot alors que je ne visais mais pas du tout la tête. Ce jeu, des fois, dans les headshots, il est bugué. Oh le petit FAMAS. Ce jeu, des fois, est bugué en termes de headshot ou quoi. Une fois, j'ai tiré dans les pieds, il y a marqué headshot quoi. Ça, c'est choquant, mais c'est la vie. Ce jeu est bizarrement. Genre, la hitbox de la tête dans ce jeu est bizarrement foutu quoi. Oh, y a du monde là. Merci. Allez, je descends. Qui a-t-il sur Charlie? Non, 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 merci. Oh là, oh, il va rager. Regardez, encore un tir de ma tête alors que j'ai visé le buste. C'est illogique. Bon, en tout cas, c'est plutôt bien terminé. On a quand même réussi à gagner la partie. Ah, il reste quand même 34 tickets. Mais à la fois, je vais devoir speeder pour préparer là. Ça va être galère. Ah, je dis, dès que la vidéo est terminée, je fais lancer le plot dans 2-2. Je sais pas si je vais mettre une miniature personnalisée. J'aurai peut-être pas le temps de la faire. Oh la vache. Je crois que j'aurai même pas le temps de faire la miniature en fait. Ah, d'accord, les vitres sont par balles. Attends, le pré-shot qui a pas marché. Et en plus, il me lance un sale molotov des tréfonds. Ah, on peut pas passer hein. What? C'est quoi ce molotov qui me tue à 5 mètres là? Oh, lui, ce qu'il s'est pris. C'était sale. Salut monsieur perdu. On est son pote là.
Allez, salut. Deux tickets encore, c'est bientôt fini là. Allez, on perd pas de temps. Ah, mais y'a un mec là. Ah, il a pas voulu goûter à mon FAMAS. Il a vu que j'avais sorti un FAMAS, il s'est dit non. Non, merci. Bon, bah voilà, c'est fini. Oh, 21 morts, je suis mort un petit peu trop de fois quand même là pour que la vidéo soit intéressante. Mais c'était plutôt rigolo dans l'ensemble. Ouais, c'était plutôt une partie sympa, j'ai bien aimé. Par contre, elle a été très longue, 25 minutes, la vache. Là au moins, vous aurez un gros soldat du samedi. Bref, je compte sur vous pour me donner un épisode de soldat du samedi original, donc sans BF. Donc c'est The Last of Us, Destiny, BO3, ce que vous voulez. Je sais qu'il y a plein de genres de BO3, donc donnez-moi des équipements BO3. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau gameplay, et moi je vais me préparer tout de suite. Allez, salut.